Bienvenue à la Foire internationale de Grenoble. J'aime tellement cet endroit que je crois que je vais m'installer ici. Mais avant ça, on va vous faire goûter. Bonjour, je peux avoir une petite olive? Merci. Elle est au poivron. Trop bon. Ça, c'est de la crème d'ail avec de l'ail, du basilic frais, de l'huile d'olive, sans viande, sans poisson. Comme ça, après, je vais interviewer tout le monde. Super bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, on va super bien, mais il y a toujours de la bonne humeur au Canada. Ben, on est tellement content d'être ici. Il y a une belle ambiance, les gens ont une belle énergie. Donc, on est très heureux de partager avec les gens. Les gens ont beaucoup d'anecdotes aussi à nous raconter. Donc, c'est très agréable. Et de partager aussi la nourriture, c'est quoi? Allez-y, allez-y. C'est un petit biscuit à l'érable. Je pense que la caméraman est jalouse. Est-ce qu'on lui en donne un? Oui? On peut. Est-ce que je fais goûter autre chose rapidement? Ah, ben oui. Là, je vais vous faire goûter un petit apéro qui fait fureur. Je vais vous le faire deviner. Moi, je vais tenir votre micro. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. 3, 2, 1. On y va doucement. Le verdict. C'est vachement bon. C'est un petit peu fort, hein? C'est un petit peu fort, ouais. C'est du whisky à l'érable. Ah, un petit peu fort. Toujours de l'érable. Il y a toujours de l'érable partout. On a même du papier de toilette à l'érable. Non, non, c'est pas vrai. Je vous taquine. C'est des niaiseries, comme qu'on dit. La furie, la futée, la furtive, la furax. Ils ont de l'imagination hein, chez la furieuse. Et j'ai pas encore pris de furieuse. Tu peux me servir? Pourquoi furieuse? Un jeu de mots avec le fût de bière. Et toute notre gamme va s'appeler furie, futée, furax, etc. Ça, c'est hyper malin. Et vous êtes d'où? Très doux. Et c'est où ça? Eh ben, à Sassenage, du coup, juste à côté de Grenoble. Super. On peut goûter? Ça, c'est l'Osso Irati, ça. C'est la rockstar de chez nous. Le seul fromage AOP, 100% brebis, au lait cru sur 6 mois d'affinage. Il est super bon. On va vous faire goûter le même, mais avec la petite confiture de cerise noire. On appelle ça un petit bisou chez nous. On va voir si ça fait un vrai bisou. Ça, c'est un bisou anti-Covid. C'est plus qu'un bisou, c'est un câlin. C'est vrai. Ah, c'est des bonbons? Mais non, pas du tout. C'est un mélange indien qui fait digérer, qu'on prend après le repas, juste pour digérer, comme ça. Alors maintenant qu'on a bien mangé, bah, on va digérer. Eh ben c'est super bon. Allez, régalez-vous. C'est pour la télé.